Et salut les petits amis collectionneurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur une unboxing du roi de la pop Michael Jackson. Oui, on est à la maison. Une figurine sans licence, donc produit non officiel sur le roi de la pop. Il s'agit de la marque Toys Power, une petite marque pas très connue et que moi-même je ne connaissais pas. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging sobre, très très simple, avec une étoile, l'étoile de Michael Jackson, sauf qu'ils n'ont pas marqué son nom parce qu'ils n'ont pas la licence, du coup ils ont marqué King of Pop. Donc c'est du 1/6, et comme vous pouvez le constater, niveau de la boîte, hein, c'est pas ça quoi, il n'y a pas de déco. Voilà, à l'arrière vous avez les warnings et c'est tout. Sur le dessus, tout ça, il n'y a rien du tout. Ça représente le solde au Hollywood. La boîte s'ouvre comme ceci. Voilà, donc maintenue par un aimant, donc on le voit ici. Et donc là, vous tombez tout de suite sur la figurine. Bon, là, je l'ai retirée parce que je voulais voir l'état. Vous tombez tout de suite sur la figurine. Il n'y a pas de mousse de protection par-dessus. C'est comme ça net. Vous avez 7 mains. Donc, je vous en fais voir quelques-unes. Alors, vous avez celle-ci. Voilà, donc avec les pansements au bout. Donc, niveau finition de la main. C'est plutôt pas mal, hein, plutôt réussi. On n'est pas sur du Hot Toys, mais ça mérite. Voilà, c'est plutôt réussi. Moi, je ne veux pas tous vous les faire voir, je vous en fais voir quelques-unes. Voilà, donc des gestes que Michael Jackson faisait souvent pendant ses représentations, ses clips, ses concerts. Et sans pansement. Oula, trop de flash. Voilà. Donc en accessoire, ensuite on a les lunettes en métal. Bon, dommage qu'elles sont pas transparentes. Ensuite, vous avez donc ces genres de munitions de mitrailleuse. Donc ça, c'est de rechange, hein. C'est au cas où vous en perdez une, vous en avez une de rechange. Et ensuite il y a le micro, mais le micro on le verra tout à l'heure sur la figurine parce que je l'ai déjà installé. Donc il s'agit, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, il y a plusieurs figurines qui sont sorties. Vous avez la version exclusive, la version Smooch Luminol et la version donc concert, donc la tournée de Dangerous. Et donc moi j'ai pris celle de la version Dangerous tournée, hein. Donc voilà, avec l'habit de Smooch Criminal, mais pas complet, il n'a pas le pantalon parce que c'est en plein concert.
le socle, donc un socle relativement simple, très sommaire, avec ici donc la signature de Michael Jackson. Voilà, bon, c'est pas des plus... c'est comme un socle Toys pour les DX. Après voilà, c'est pas les plus... ça s'allume encore. Et bon, c'est pas énorme quoi. Et donc là, vous avez enfin la figurine de Michael Jackson. Donc elle est assez lourde. C'est plus lourde qu'une autre Toys, j'ai l'impression. Je vous montre tout de suite. Et ben allez, on passe tout de suite au visage. Voilà, donc niveau du HS, on n'est pas... bon, c'est pas 100% accurate à Michael Jackson. Vous voyez, c'est pas... il y a quelque chose qui cloche sur le HS pour moi. Bon, le bas en tout cas est très bien réussi, hein. Vous voyez, ça c'est typique Michael Jackson quand même. La bouche, le nez plutôt réussi, c'est peut-être au niveau des yeux et du fond, je pense qu'il y a tout qui cloche. Voilà, mais il n'est pas 100% accurate au visage. Ici, vous avez donc ces chaînes, ces munitions pour mitrailleuses. Donc ça, c'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Donc là, l'écusson, vous voyez, l'aigle dessus. Les cheveux, donc c'est des faux cheveux. Le micro, que je disais tout à l'heure, en métal. Le micro est en métal. Vous voyez les petits grades ici, juste ici. Donc après, niveau qualité, c'est de la très bonne qualité. Vous voyez, là, c'est un genre de feutrine. C'est plutôt réussi. Là, les cuissons, encore. La ceinture. Ce genre de culotte. Là, il y a deux perles. Et là, donc, c'est en 6 mm-cuir de très très bonne qualité. Les chaussures. Donc, les chaussures, par contre, sont en plastique. Mais tellement que c'est bien réussi, on a l'impression d'avoir du cuir. Voilà, voilà. Allez, je vous fais une petite pause pour vous faire voir un tout petit peu plus la figurine, plus convenablement. A tout de suite. Donc voilà à peu près à quoi ressemble la figurine. Donc de loin ça fait le boulot. Hein. Après voilà, comme j'ai dit, le visage il est pas énorme. Je zoome un petit peu. Et donc le gant, black and white. Donc plutôt bien réalisé aussi. Hein. Et vous pouvez avoir donc la version Smooch Criminal que je vous ai oublié de faire voir tout à l'heure au début de la review. Pour les accessoires. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez le chapeau. Alors le chapeau, donc en feutrine. Bon, voilà, c'est pas vraiment de la bonne qualité. Hein. Même, regardez comment c'est découpé. C'est pas énorme quoi. C'est même un peu trop grand, je trouve. L'ombrelle est trop grande par rapport. Enfin voilà quoi. C'est mieux d'exister. La veste par contre est de très bonne qualité. Là, la veste, ils ont assuré. Vous voyez. Plutôt de très bonne qualité. Et enfin, donc vous avez donc ce qui se met en dessous de. Enfin, au-dessus de ces mocassins. Donc voilà, un genre de 6 mm, mais voilà, de bonne qualité là aussi. Donc voilà, donc il y a trois possibilités avec cette figurine. Vous l'avez donc en version comme ceci. Vous pouvez l'avoir donc avec la version, donc avec sa culotte qui est en dessous. Donc vous savez, quand il est habillé tout en jaune, ou la version Smooth Criminal, sauf que le pantalon par contre restera noir vu que c'est la version concert et non la version du clip Smooth Criminal. Si vous recherchez la version du clip Smooth Criminal en figurine, je vous conseille de voir la review de Michael de la chaîne Mon Monde de Geek, qui en a fait une
et la figurine est plutôt réussie. Après, bon, le niveau du HS c'est le même, hein, ça n'a pas changé, mais la figurine est quand même une très belle pièce. Donc je vous invite à voir sa vidéo sur la chaîne Mon Monde de Geek et à vous abonner sur sa chaîne. Bon, écoutez les amis, je vais vous changer les vêtements, hein. Je vais mettre la version donc en culotte, hein, en culotte jaune, et ensuite on fera la version Sponge Criminal. A tout de suite. Donc ensuite vous pouvez avoir cette version une fois qu'on retire la veste. Alors je vais vous dire, c'est vraiment galère pour retirer cette veste, surtout au niveau de la ceinture. La ceinture est fermée comme ceci, vous voyez, et à ça en fait est tellement que c'est proche du corps. Attendez, j'essaie de faire mise au point. C'est que c'est proche du corps, donc il faut relever ça, cette petite pince ici. Et après, vous voyez, ça se referme. Et voilà, donc vous risquez donc d'abîmer ça, la ceinture comme ceci. Mais heureusement que ça se voit pas, parce que vu qu'il y a les anneaux par-dessus. Mais voilà, donc c'est vraiment galère. Pareil pour la veste, c'est vraiment galère à la retirer. J'ai perdu un morceau. Voilà, donc c'est pas vraiment, voilà, pas terrible. Bon, de toute façon, Hot Toys aussi, c'est galère avec eux. Mais bon. Donc sinon, voilà cette version. Bon, là, c'est pas la version que je mettrai, hein, franchement. C'est pas vraiment le costume de Michael Jackson que j'aimais, hein, le plus. Mais voilà, donc cette version a le mérite d'exister quand même. Hein. Vous pouvez la mettre avec ce genre de combinaison de piscine pour femmes. Donc voilà. Allez les amis, on va passer tout de suite maintenant à la version Smooch Criminal, que j'espère sera meilleure que cette version-là. A tout de suite. Donc la version Smooch Criminal, pas plus concluante hein, que la deuxième version. Malheureusement, vous voyez, le chapeau est beaucoup trop grand et ne s'enfonce pas très bien. Du coup, c'est pas le top, quoi. Et le chapeau est beaucoup trop grand, regardez, c'est énorme ça, c'est énorme, regardez, vous avez déjà vu un chapeau qui est grand comme ça, comme vous le tenez, dans votre main, c'est pas du tout l'échelle, regardez, je le mets à côté de la main, regardez comment c'est grand. Vous avez vu, c'est pas du tout l'échelle, donc c'est plutôt dommage. Après voilà, le laisser comme ça peut-être, mais bon, le criminel sans le chapeau, c'est pas ça non plus. Sinon la veste c'était bien parti, à part ici là aussi c'était plutôt bien parti, c'était plutôt bien réalisé quoi, c'est dommage. Dommage qu'ils se sont plantés royalement sur le chapeau. Alors j'essaie de voir si des fois ça va pas. Hein. Le chapeau est beaucoup trop grand. C'est pas beau. Ça rend pas. Bah écoutez les amis, je vais vous faire un petit tour à 360 degrés en musique. À tout de suite. Yeah.
les amis, pour cette unboxing sur cette figurine. Niveau disponibilité, cette figurine, vous pouvez la trouver sur eBay. Après, faites attention parce que si vous la commandez à l'étranger, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous pourrez la trouver à Hong Kong. Ça reste quand même assez délicat vu que c'est une figurine non officielle. Donc sans licence, et voilà, donc vous risquez d'avoir quelques petits problèmes au niveau de la douane. Donc faites très attention de ce côté-là. Niveau tarif, donc c'est une figurine que vous pouvez trouver entre 150 et 200 euros. Niveau, moi pour moi, 200 euros, honnêtement, ça les vaut pas. C'est pas le HS, c'est pas bon. La version Smooch Criminal, c'est horrible. Niveau métal, enfin, c'est pas du métal. Soit si c'est un genre de métal merdique, c'est pas du plastique, hein, mais c'est un genre de métal vraiment bas de gamme. À ce prix-là, on peut pas se permettre de nous donner une figurine de cette qualité. 150 euros, oui, à la longueur, ça peut passer, mais 200 euros, non, là, non, c'est pas une figurine qui vaut ce prix-là, c'est, ouais, voilà, 150, ça suffit amplement, et encore, je trouve que c'est peut-être un peu élevé, pas déçu, mais je m'attendais quand même à mieux au niveau de cette figurine, surtout au niveau du prototype. C'était quand même un HS assez ressemblant, comme quoi il faut jamais faire un trait. Voilà, moi de toute façon je m'attendais pas à grand chose, mais quand même pas à ce point là c'est pas, ouais, je suis un peu déçu, c'est pas la figurine que j'attendais, c'est dommage, j'avais du potentiel de faire une belle figurine, mais voilà, niveau qualité c'est pas ça. Et à part les vêtements, mais sinon reste tout ça, tous ces trucs bling là, c'est pas du tout de la bonne qualité. Le body, bof, ma foi, au bout d'un moment, vous voyez, ça perd, ça s'use, c'est pas une bonne qualité. Les cheveux, bah moi j'aurais préféré avoir des cheveux en plastique, hein, en sculpt, ça aurait été mieux, je trouve. Peut-être il y aurait eu plus de ressemblance d'ailleurs avec Michael Jackson, parce que là vous voyez, il y a la marque de l'imitation ici, et c'est pas beau, c'est pas beau. Donc oui, assez mitigé pour cette figurine. C'est plutôt rare que je suis déçu quand je commande, mais là, bof, je m'attendais pas à ça, plutôt déçu. Donc une note, ma note sur cette figurine. Vous voyez, avec rien que la ceinture m'énerve, c'est, les trucs sont pas collés, c'est, voilà, c'est galère. Non, je suis désolé, mais j'essaie de la replacer, mais c'est pas... Voilà. Bref, bon, note pour cette figurine, bon, pour moi, un petit 6, hein, au-dessus de la moyenne. Parce que quand même, il y a quand même un air de ressemblance, on peut dire. Surtout avec le chapeau, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup plus. Mais voilà, le chapeau est trop grand. Non, on va pas exploser avec ça, quoi. C'est ridicule. Donc voilà, cette version, je vais la laisser comme ça. Peut-être je revendrai, je verrai. Mais voilà, je voulais avoir une Michael Jackson en blanc déjà, parce que c'est plutôt assez rare. Même au Toys, je l'ai proposé une fois, c'était pour la version Billie Jean en blanc, mais sinon on trouve toujours en couleur noire, quoi, enfin en black, et voilà, je voulais en avec sa peau blanche, donc, et puis avec cette tenue là, mais je m'attendais pas à un truc aussi un peu merdique, quoi. Voilà les amis, ce que j'avais à dire sur cette figurine. Donc comme j'ai dit, un petit 6 sur 10, mais relativement c'est pas non plus une catastrophe, mais voilà, c'était limite.
Bah écoutez les amis, je vous dis à très vite pour d'autres reviews qui vont arriver. Hein. Là, il y a le Anakin que je vais faire en review. Bon, là, il est arrivé. Moi, je suis un peu en retard par rapport aux autres. Samuel l'a déjà fait, mais Michael aussi. Mais bon, voilà, je vais quand même la faire. Et puis, il y aura une review sur un autre film d'horreur. Et ouais, un deuxième review sur un film d'horreur. Je vous en dis pas plus. Vous le verrez sur la chaîne une fois qu'elle sera publiée. Allez les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Que la force du collectionneur soit avec vous.